Hey, salut tout le monde, c'est Wither et aujourd'hui on se retrouve sur Hotel Giant 2, ce jeu de gestion qui est magnifique. Donc on va commencer une campagne aléatoire et on va faire un petit let's play là-dessus. Bon, on va même pas mettre la difficulté trop haute pour éviter que la série dure que 5 épisodes. Voilà, comme ça, 3 années, temps limite, tatatatata. Ok, voilà. Donc Hotel Giant 2, c'est qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un jeu de gestion, comme je l'ai dit auparavant, d'un hôtel. Et on voit en fait à temps réel, donc c'est pas un simulator un peu pourri et tout, donc voilà. On va rentrer dans l'hôtel, donc il est comme ça, assez sobre, assez classe. Donc j'ai mis le timer à 20 minutes pour faire des épisodes de 20 minutes, j'ai pas envie de faire trop long. Donc on va faire d'abord la réception. Alors, on va mettre celui-là, comme ça, au milieu. Moi j'aime bien être précis, j'aime bien la symétrie, donc on va essayer d'être symétrique le plus possible. Même si, c'est pas toujours possible, comme là, c'est pas 100% au milieu. Mais bon, on peut rien y faire, tant pis. Excusez-moi si j'ai un peu de tout, mais ça devrait se passer. Ensuite, je vais mettre un tapis, parce que, en fait, les décors, ça sert pas seulement à décorer, ça améliore la qualité de l'hôtel. Donc c'est toujours bien de mettre des tapis, etc., des petites décorations. C'est ce que je ferai un petit peu plus tard. Donc voilà, on met déjà, on va être un peu symétrique. On va mettre déjà deux fauteuils que les gens l'utiliseront, hein. Ne vous inquiétez pas. Direction de l'hôtel, on va mettre ça. Et stand d'information, on va mettre ça, voilà, comme ça. On va mettre une poubelle parce qu'ils réclament toujours une poubelle. Je sais pas pourquoi ils leur réclament toujours une petite poubelle à la réception. Donc on va mettre une poubelle. J'aurais pensé aussi de mettre... je pense que je vais mettre encore un canapé comme ça, voilà. Je vais mettre des bouts de table, assez sobre, assez classe, comme celui-là, voilà. Un, voilà, comme ça, et comme ça. On va mettre des lampes de chevet, comme ça, ça augmente la luminosité. Tac. Et là, je vais mettre... un téléphone, mais sauf que j'aime pas celui-là parce qu'il est rouge, j'en préfère un noir, comme ça ça va bien, c'est harmonieux avec le canapé. Donc voilà, j'en mets un là et j'en mets un là parce que bien sûr ils réclament de certains objets, donc c'est obligatoire de les mettre. Donc voilà, donc la réception est faite. J'avais pensé de mettre une petite sculpture au milieu pour que ce soit joli. Non, c'est pas cette sculpture là, c'est une large sculpture, voilà. Un truc comme ça là au milieu, ce serait pas mal. Hop, c'est toujours joli. J'ignore si on peut mettre des fontaines. Non, je crois pas. Non, pas de fontaines. Bon, tant pis. J'avais pensé de mettre plusieurs autres réceptions en fait. Je vais en mettre une ici aussi. Mais en fait, on peut choisir que ce soit une réception ou des caissiers. En fait, ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs options qui sont disponibles au fur du temps. Voilà, comme ça. Ah non, on va utiliser l'option pour décaler le truc. Comme ça, voilà, parfait. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la fonction. Donc voilà, caissier, et là, information. Et ici, je vais mettre... comme ça, ici ce sera le concierge, voilà. Par contre, je vais un peu plus décaler le truc, comme ça c'est plus espacieux. Spacieux plutôt. Voilà, voilà. Ça m'a l'air plutôt joli tout ça. On va mettre un tapis encore, hein. C'est toujours bien les tapis. Moi j'aime bien les tapis. Voilà, c'est beau, hein. Et je vais aussi mettre un tapis ici, comme ça, voilà. Parfait. C'est joli! Ça ressemble à quelque chose, notre hôtel. Voir si je peux aussi mettre un tapis comme ça. Voilà. Ça fait un peu... ça fait purement symétrique, c'est joli. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ah oui, des distributeurs, car oui, les gens nécessitent de distributeurs. Ils ne peuvent pas vivre sans distributeurs dans les halles. C'est vraiment des gens compliqués. Hop, voilà, on va les mettre là comme ça. C'est toujours joli, joli. Là, on va rajouter deux canapés. Hop. Voilà, c'est joli comme ça. Et puis encore un tapis, j'aurais pensé. Pour que ça... ah non, je peux pas. Bon, tant pis. C'est très joli comme ça. Notre entrée est plutôt assez jolie.
stand d'information, on va mettre ça là. Comme ça, vu que c'est un stand d'information, on va mettre des informations. Je me répète. Hop, voilà. Comme ça, comme ça. Direction de l'hôtel, ça m'a l'air plutôt bon. Hop. Et un autre comme ça, voilà. Voilà, voilà. Alors, ensuite, je vais rajouter des lumières de plafond. Alors, je ne sais pas où les rajouter. Comment faire un truc symétrique comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon, c'est pas très, très symétrique, mais bon, on ose. Hein. Faut pas que ce soit non plus un truc parfait, parfait. Bon, voilà, c'est plutôt joli comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ah oui, je sais, je sais. Je vais pas rajouter de trucs comme ça, d'objets, mais je vais faire des chambres en fait. Et pour ça, on va passer à l'étage supérieur. Donc, j'avais déjà sauvegardé des chambres par défaut, mais je vais en refaire une avec vous. Et puis, je vais l'enregistrer comme, comme truc, comme ça, j'ai pas besoin d'en refaire 50. Alors, chambre, nouvelle pièce. On va faire un truc assez grand, on va faire des trucs de luxe un peu. Non, peut-être pas aussi grand quand même. Comme ça, voilà. Donc cette chambre est libre. Classe aucune pour le moment, d'accord. Alors, chambre, salle de bain. Déjà. Comme ça, voilà. Et une chambre à coucher. Comme ça, voilà, voilà, c'est joli, c'est joli. Ensuite, ici, on va mettre... non, pas des chambres, mais des objets. Donc je vais mettre une porte, déjà. Porte comme ça, noir, spacieux, hop. Ensuite, ici, ce sera la chambre à coucher. Donc ça, ce sera un salon, en fait. Ça le crée automatiquement en tant que salon. Salon. On va faire un lit à double place. C'est plutôt joli, ça. On va mettre des bouts de table. Comme cela, voilà. Alors, on va mettre une lampe de chevet. Hop, et l'autre, on va mettre un téléphone. C'est obligatoire. Il faut un téléphone par chambre. Hein. Et là, en fait, ce bouton-là, c'est pour mettre des lampes murales, mais automatiques, en fait. Donc, ça... Attendez, je regarde juste combien de temps il reste. Oh, zut, voilà. Encore 12 minutes, ok. Alors là, ça vous met les lampes automatiquement dans le mur. Bah, on va mettre ceux-là. Regardez, ça met automatiquement, c'est joli. Yeah! Là, on va mettre une porte. Voilà, comme ça. Ça nous fait un bel, une belle petite chambre. Bon, certes, c'est pas très très complet. On va mettre encore une télé LCD. Non, on va pas. On va le mettre dans le salon, la télé. On va mettre par contre une penderie. Certes, parce que c'est le truc le plus important dans un hôtel. Un dressing. Ah, il y a cette lampe qui me gêne. On va la déplacer. Hop, on va la mettre là. Alors, oups, objet. Table. Ah non, j'ai pas fait, j'ai un peu fail. Voilà. Hop. Dressing. Comme ça, voilà. Commode. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être toujours sympa de mettre une commode. Je pense qu'ils vont la réclamer si je la mets pas de toute façon. On va mettre une ici, comme ça. Et une poubelle aussi. Car oui, c'est fondamental de mettre une poubelle dans la chambre. Ensuite, j'aurais pensé de mettre des interrupteurs, vu que ça va, je vais changer cette chambre en une chambre de luxe. Donc c'est pour... bah, ça rajoute du luxe, en fait, des interrupteurs. Bah, quoique c'est vrai, en fait. On va mettre encore un tapis. Trop grand, fuck. On va mettre un truc comme ça. On va la mettre ici, comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, je sais qu'on n'a pas fini. On a encore plein de trucs à mettre. Non, pas des décorations, des extras. Un mini bar, on va mettre. On va le mettre là. Voilà, voilà. Et puis, une petite chaise. Une petite chaise pour le confort. Hein, c'est toujours sympathique. On va la mettre ici, voilà. Ici, on va s'occuper du salon. Alors là, on va mettre un canapé. Plutôt un canapé assez spacieux, d'ailleurs. Je vais mettre comme ça, voilà. Ici. Et je vais mettre ma télé LCD mural 46 pouces parce qu'on est des gros porcs. Voilà la télé au mur. On va mettre un porte-bagages car oui c'est obligatoire.
D'ailleurs, si vous jouez à ce jeu, je vous conseille directement de mettre les trucs les plus chers parce qu'après, ils vous réclament de remplacer, de remettre des trucs un peu plus chers, de meilleure qualité. Donc, vraiment, je vous conseille de mettre les trucs les plus chers au début. Et puis, voilà. Petit conseil. Encore un interrupteur, et après, on mettra le dernier après. Là, on va mettre un bureau. Car ils vont me le réclamer, un bureau, c'est obligatoire. Voilà, hop. Et on a déjà fait un dressing. C'est quoi vanité? C'est pour se mettre pour faire beau, hein. Ouais, c'est ça. On va en refaire, hein. On va en mettre un là. Voilà, comme ça. Voici, voilà. Ça m'a l'air plutôt bon tout ça. Ensuite, table. Meuble télé. Allez hop, un petit meuble télé, c'est toujours sympa. Comme ça. Et là, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre un lecteur DVD. Et oui. Un putain de lecteur DVD. Voilà. Et en radio réveil, ce serait. Ouais, c'est vrai que ça améliore la qualité du truc. Donc, on va remplacer ça par un radio réveil. Excusez-moi. Voilà, comme ça. Comme ça rajoute du luxe dans ma chambre. Dans ma chambre, ouais, dans ma maison, quoi. Enfin, dans mon. Putain, je dis de la merde. C'est le matin, c'est mon excuse. Bon, on va mettre les services. Le câble, le satellite. Les films à la demande, les jeux vidéo de salon. Voilà, comme ça. Ensuite, ce qui est d'autre. Oui, je sais. Je vais mettre encore une table. Alors, on va mettre une table basse. On va mettre celle-là. Hop. Et j'aurais pensé de mettre des extras. Donc, matériel de lecture. Ah, je peux pas mettre sur cette table. Yes. Non, plus pas sur celle-là, on va devoir créer une autre table juste pour mettre les extras, c'est super. On va mettre la table ici, hein. Et là on va mettre des extras comme des paniers garnis et des matériels de lecture. Bah oui, c'est obligatoire, certes. Non, no fake, hein. C'est vraiment, on est obligé de le mettre. Et ça, oh, le coffre, je sais pas où le mettre. On va mettre une table spéciale pour le coffre. On va mettre un bout de table et le mettre là. Je peux pas. Ah oui, normal. Je sais pourquoi. Faut que je la mette là. Je peux pas mettre en fait un objet d'une pièce dans une autre pièce. C'est ça qui est un peu bête, mais bon. Ouais, on peut pas tout avoir, hein. Voilà, le coffre. Voilà, on a mis le coffre. Ça m'a l'air plutôt bon. La chambre est assez remplie. Quoique, je pourrais mettre encore une lampe. Non, zut. Voilà, une lampe de chevet. On va la mettre. Ah, je peux pas. Ok. Bon, on va mettre par contre une petite fleur de table. Ah, je peux pas la mettre non plus. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, bah tant pis, hein. Vous me direz, c'est pas si grave. Ah, mais c'est normal. Qu'est-ce que je suis. Oh putain, j'ai fait de la merde. Voilà. Hop. Et une lampe de chevet comme je le voulais avant. On va la mettre là. Voilà. Et un téléphone, encore un. Ah non, je peux pas. Tant pis. Bon, bah, je mets rien alors. Je vais mettre un tapis. Tac, c'est joli. Et on va s'attaquer maintenant à la salle de bain. Alors, salle de bain. Hop. Et je vais juste rajouter les lampes encore. Voilà. Je vais juste regarder combien de temps. Ah, oh, putain, ça me fait. Je suis désolé, hein. Il reste plus que 6 minutes. Ok, d'accord. Donc 6 minutes. Alors, on va s'attaquer vite fait à la salle de bain. Et après, je vais vous laisser là. Alors, salle de bain, on va faire vraiment un truc de luxe. Un bassin de spa. Comme des gros porcs. Hop, comme ça. Moi, franchement, si j'aurais un hôtel. Enfin, si je devrais aller à un hôtel, j'irais dans celui-là. Hein, parce que, franchement, jeux vidéo et tout. Bassin de spa. Ce truc, il coûte que 400$ la nuit, quoi. C'est assez marrant. Donc, il va toujours prendre le plus cher parce qu'ils vont me déclarer un nouveau. Me réclamer, putain, j'arrive pas à parler. Un nouveau, un lavabo très très cher aussi, obligatoirement. Une balance, car il le réclame aussi. Hop. Après, il va mettre une télé, car voilà, hein, normal. Une poubelle, on va la mettre ici. C'est assez vide, hein, mais bon, tant pis. Moi, Joseph. Lampe murale, non, on va mettre automatiquement celle-là. Voilà, c'est spacieux. Et on va mettre des sculptures. Non, on va mettre des peintures surtout. Dans les salles de bain, ça le fait pas parce que j'ai rarement vu des peintures dans les salles de bain. Bon, on va plutôt mettre des plantes au sol. Des trucs comme ça, c'est plus joli. Non, zut. On va la mettre
ici, voilà. Hop, objet. Plante au sol, on va mettre encore un. Hop, voilà, encore une plutôt. Et puis un tapis de bain, car oui, c'est obligatoire. On va le mettre de tous les côtés, hop. J'arrive pas à le tourner, hop, voilà. Hop. Et, ah, j'arrive pas. Voilà, un tapis de bain, ça, c'est toujours meilleur que rien. On va mettre un miroir devant la balance pour que les gens puissent se voir pendant qu'ils se balancent. Bah oui, normal. Et ça m'a l'air plutôt bon tout ça. Je pense qu'on a fini la salle de bain. Quoique, ah oui, j'ai pas fini, il me manque une douche en fait. J'ai oublié de mettre la douche. On va mettre une douche. Ah, on va la mettre. Je peux pas la mettre là. Vous savez ce que je vais faire? Non, vous savez pas. Je vais décaler un peu quelques trucs, par exemple les toilettes. On va les mettre plus ici, ainsi que le je sais pas qu'est-ce que c'est ça, un peu non, je crois qu'on peut... on doit aussi décaler ça, hop hop, voilà. Et là on va mettre une douche, car oui, c'est une douche, c'est toujours mieux d'avoir une douche que rien. Voilà, hop, et voilà, une petite douche sympa, hein. Puis on va mettre une petite serviette de bain, voilà, 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 de tous les côtés, c'est toujours plaisant. Hop, voilà. Donc, voilà, 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 ça c'est fait. On nous a, bah voilà, on a fait une belle salle de bain, une belle chambre de luxe. D'ailleurs, on va voir de luxe 1, voilà. Réservation à 400 $, on va la mettre à 450 parce que je me suis fait du mal à le faire. Et voilà, voilà, voilà. Donc, on va vite, sauvegarder. Alors, sauvegarde, toutes les dispositions. Voilà, c'est déjà sauvé. On va faire un petit retour Windows, mais c'est pas grave. Me voici, voilà. De toute façon, on va bientôt se laisser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sauver la partie. Nouvelle sauvegarde. YouTube. Partie, voilà. Comme ça, je sais ce que c'est. Et sauvegarder. Voilà. Donc voilà, je suis bien sûr que je l'ai. Et d'ailleurs, je veux juste voir si ma... mon bâtiment, enfin ma chambre a été sauvegardée. Chambre, chambre 1. Voilà, elle a été sauvegardée, donc on va en mettre deux chambres, hein, voilà. Hop. C'est logique, hein, de mettre des chambres de luxe au premier étage. moi je trouve ça totalement logique. Bon voilà, je pense qu'on va se laisser là. Et à bientôt tout le monde, c'était Wither. Ciao. Et prochainement pour l'épisode 2 de cette série. Désolé si j'ai parlé, enfin si j'ai blablaté de ce que j'allais faire comme un code, mais ouais, c'est le matin, et puis pardonnez-moi, et puis dans les prochains épisodes, je serai plus dynamique. Bon allez, ciao tout le monde, c'était Wither.